Johan Soucieux s'apprête maintenant à attaquer justement ce fameux cheval d'Arçon. Peut-être l'agrès le plus ingrat, le plus difficile sur l'ensemble des exercices que les gymnastes ont à effectuer. Car c'est le seul agrès d'équilibre. Et Johan Soucieux est un excellent spécialiste au cheval d'Arçon. Il est deuxième des championnats d'Europe, justement derrière Urzica. Il excelle à cet agrès, vous le voyez, mais dans un autre style que le chinois qui l'a précédé. Un petit peu plus lourd, même s'il a beaucoup, beaucoup de rythme sur les appuis, comme on vient de le voir sur le travail en facial. Deuxième au dernier championnat d'Europe et champion d'Europe par équipe. Ça coule très, très bien, mais le gymnaste est moins élancé. Donc le programme extrêmement difficile, grosse combinaison sur un arçon à la fin de l'exercice pour aller à l'équilibre, pour faire une valse complète avant de sortir. Superbe programme, superbe concours. Ça vous pas vaincu, hein, Soucieux. On va revoir une partie de ces exercices au ralenti. C'est toujours très impressionnant parce que cela demande énormément de placement, pas forcément, enfin ça demande de la puissance bien évidemment, Michel Bouter, mais il faut surtout être bien placé. Oui, les épaules, le dos travaillent énormément. Ouais. Transport vers l'avant. Le Magyar. Un exercice qui porte le nom du Hongrois qu'il a inventé. Exercice au ballon pour Vera Cecina, Russie. Soucieux qui attend sa note avec impatience. Ce sera une très belle note car il n'y a pas fait de faute. Le passage en ciseaux avec demi-tour. Hier, il était un peu plus, tout petit peu plus d'un dixième. On voit une légère flexion de genou ici lorsqu'il prend appui sur le cheval pour se relancer après les ciseaux. Urzica avait fait 9,750 et Soucieux avait réalisé 9,638 dans les qualifications. La note 9,700, oulala! 9,700 juste au-dessus